for the unknown soldier, nestled in your hollow shoulder, the unknown soldier. De toute façon, je vais les emmener. C'est pas une raison pour les aider.
À toi de toutes ces provocations. Tu parles comme François. La provocation est une arme très utile. Elle force l'adversaire à laisser tomber son masque. C'est pour ça qu'en janvier, vous avez bousculé Doyen et que vous l'avez traité de flic et de nazi. Et bien, vous n'avez pas de chance, c'est un entier résistant. Et d'abord, c'est un émoi exprès qu'on a un peu bousculé Doyen. Puis comment veux-tu qu'on sache nous ce qu'a fait de Doyen pendant la guerre? En tout cas, ça répond à une raison, parce qu'un type a une ennemie en terrain, pour qu'il te permette d'être moche en ce temps. Vous l'avez appelé nazi. Oh, est-ce que tu peux être gaffier? J'ai déjà dit que c'était une erreur. Tu ne l'as pas dit. Ah ben, je te le dis. Veux-tu ôter ton derrière de ma dissette? C'est probablement tout ce qu'elle mérite. Une disserte, c'est con. Con et oppressive, je sais. On empêche le tout, Doyen. Quand on a vu en mars violer un état de plus hypocrite de la bourgeoisie en envoyant la famille, il nous a envoyé une centaine de prix. Tes parents? Je me souviens, j'avais vu ça dans les journaux. Et chez les filles, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mais rien. On a violé personne, si c'est ça que tu veux dire. Les constitués ont verrouillé leurs portes et les autres ont fraternisé. Même pas. Non, les mecs qui connaissaient les nanas sont allés dans leur chambre et puis les autres sont restés dans les couloirs, on va parler. Et nous l'avons fait pendant 3 jours. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, bah, rien d'héroïque. On était à peine 40, il y avait 100 têtes de plus. On est sortis, c'est tout. Alors, le doyen a gagné? Il a perdu. Ah, échange lointaine, il a perdu, mais réfléchis, gros. Voilà un prof qui a des difficultés avec ses étudiants. Et au lieu d'essayer de les résoudre par le dialogue, il les matraque. Qu'est-ce que les étudiants vont penser de lui? C'est ça l'échec. T'es pas d'accord? Admettons que vous ayez depuis mars marché de succès en succès. En novembre, vous déclenchez le meurtre de la réforme de Fouché. En janvier, vous bousculez Doyen pour pousser ses filles. En février, vous envahissez de nouveau le patron des filles. Et en mars. Mais vous n'avez toujours rien fait, on a. Pardon. Nous avons boycotté les examens partiels. J'ai frappé avec modestie que je ne suis pas en rien. C'est fou, c'est un beau coup. Prise de parole en plusieurs cours. Propère appelé. Un tract important dénonçant l'enseignement de la sociologie tel qu'il est conçu par les mandats. Bon, eh bien, ça vous mène tout ça. Où allez-vous? Que veut vos chefs? Nos chefs? Quoi? Nos chefs? Qu'est-ce que c'est que cette terminologie fasciste de bureaucratie italienne? Ce concept emprunte au culte de la personnalité. On est des chefs parmi nous. Pourquoi pas un bureau politique? Pourquoi pas des institutions? Sache, camarade, il n'y a pas de chef parmi nous. Des porte-paroles tout au plus. Mais on peut jamais parler sérieusement. Tu sais quelle est la police?
cultivé. Non, bah, la police polonaise. Ah bon? Bah oui, pourquoi? Elle va tous les jours à l'université. Simon Fried, today I propose to study habit as a son, a lover, and a friend. Multiple critics spend habit time for smartness in ideal cards. Mon engagement, Joseph, vaut ce que valent tes actes. C'est pas parce qu'on couche ensemble, patate, que ça te dispense de m'écouter et de m'instruire. Tu n'écoutes jamais, tu rêves, tu te concentres sur ta petite personne. Ça te défend presque toutes les vies, tu penses qu'à ton cul et à tous les héros que tu m'en fous. Tu dis ça, pour la guerre et contre l'impérialisme américain, nous sommes partis pour un conflit.
soit là-bas, le pauvre rêve de l'air, qui nous rapporte le bébé, ou alors, je comprends ta gueule, et je te dis, c'est pas la route, on aura le petit, on va faire la même chose. Et puis, tu te rappelles, hier, ou avant-hier, comme si tu connaissais quelqu'un, on va lancer des paroles dans la vie, je n'avais pas les frais. Mais on va arriver les trucs de voiture, et les brûler, la famille, la famille. Ah oui, vous avez voulu sur quoi de la force de l'or, de l'aventure. De l'aventure. D'accord, d'accord. Bon, en tout cas, ça veut dire que c'est ça. Justement, qu'est-ce que vous pouvez voir être plus parti pour vous donner des dates. Demain. Moi, tu comprends.
coupable. Tiens, tu connais Marianne. Camarade! C'est un
Arrête. Oui, pour moi. Allô, monsieur de Vermont, Lucien Ménestrel à l'appareil. Bien. Je ne voudrais pas abuser de la sollicitude dont vous faites preuve à mon égard depuis la terminale. Oui, ben voilà, je suis dans la merde. Je n'ai pas encore touché ma bourse. La mission du premier trimestre, le 22 mars. J'ai vendu des yaourts à domicile, trié des chèques à la poste, puis donné des cours à une débile mentale. Mais c'était gratuit. Mais rien de dur. Je finis par ne plus penser qu'à ça. Ma mère, elle ne veut rien savoir, mais j'aimerais bien me débrouiller sans elle. Du babysitting, pourquoi pas? Des adolescents caractériels. J'ai fait un peu de karaté. La chambre des jeux pour tout le monde. Steve Russell, à Neuilly. D'accord. Je l'appelle tout à l'heure de votre part. D'accord. Et dites-moi, vous sortir une femme du monde. Ah oui, ça serait parfait. Monsieur, à propos, au sujet des livres, vous m'avez. Oh, merci, monsieur. Oui. Au revoir. This is Russell. Oh, Russell. Les garçons,
combien je les étonne. Et quand ils sont intrigués, et dans la mesure où ils ont envie de me connaître, eh bien je crois que c'est à ce moment-là que j'arrive à avoir avec eux des liens très, très profonds. C'est dangereux, non? Même avec eux des liens très profonds. Oh mais non, qu'est-ce que tu vas chercher là? Je n'irai jamais tout, jamais. Ce n'est pas que j'ai peur de l'inconnu, ni même des conséquences. Mais je ne me pose même pas la question. Je me dis que ça n'en vaut pas la peine. Enfin, ça n'en vaut pas la peine à ce point. Évidemment, si j'adore un garçon. Mais non, même pas. Même pas. Ce genre de rapport, moi je trouve que c'est très vite galvaudé. C'est un embrunage. Et après, si l'acte sexuel existe, la raison première est de procréer. Et en dehors de cela, je n'en vois pas l'utilité. Tu n'en vois pas l'utilité? Non, je t'assure, je ne la vois pas du tout. Bon, on peut en trouver une, bien sûr. Mais moi, vraiment, absolument pas. Et ce n'est pas que je m'adresse pas aux autres, mais au contraire. J'attends beaucoup de. Ah, mais tu sais, je sens bien que ce n'est pas sur cette base que je peux établir avec eux des liens, comment dire, des liens très profonds. Alors, autant garder ça pour mon futur mari. Correct. Bien. Je suis à la rendez-vous. Ouais. Ouais. Salut, Jean-Luc. Alors, camarade, je peux mettre à ta table? Vas-y. Tu n'attends pas notre dévote. Hey, on ne veut pas toujours parler de choses sérieuses. Mais je vais te parler de ça. Ah, pendant que tu lavais le cerveau à ta militante, je me suis délivré d'un petit poème. J'ai intitulé Petit poème pour moi. Commentaire, pas de commentaire sur le titre. J'avais pourtant une belle allitération. Bien, je continue. Quoi, baron, cette absence? Un accident marquis dans mon enfance. Ciel, être ainsi mutilé, de grâce décamper et me demander le valet de pied. Le valet de pied, madame, cet homme ne peut. Peu m'importe la particule, pourvu qu'on ait les testicules. Commentaire. Facture sobre, inspiration très pure, légère tendance calviniste, équilibrée par l'influence de votre modèle. Je suis étonné que tu n'aies pas senti le souffle révolutionnaire du poème. Dans les deux derniers vers, il y a déjà tout l'esprit de 89. Et les enculottes. Vous vous marrez bien? Je peux m'asseoir avec vous? Bien sûr. Vous vous connaissez? Jomet, sociologue. Il est comme nous à la résidence. Jacqueline Carillon. Je t'ai remarqué à la dernière AG. Tu ne paraissais pas être d'accord. Tu ne paraissais pas d'accord. Si, je suis d'accord avec les revendications votées par l'AG. Je trouve qu'il aurait fallu les hiérarchiser autrement qu'on l'a fait. Attention, Jacqueline. Jomet va te laver le cerveau. Mais comment? Pour partir du plus important, exiger d'abord la liberté des réunions politiques, la liberté d'animation culturelle et. La liberté de circulation dans la résidence. Bon, franchement, je le considère comme secondaire et un peu comme tôt, puisque les filles ont le droit d'aller chez les garçons et d'y passer la nuit. Pourquoi? C'est absolument que les garçons puissent aller chez les filles. Supposons que je tombe amoureuse d'un garçon qui vit à Neuilly. Est-ce que je peux le recevoir? Non. Et tu trouves ça juste? Pourquoi un gars de Neuilly? Pourquoi pas un gars de chez nous, un gars de la résidence? Nous sommes 700, il y a le choix! Autre chose, je vais voir un garçon dans sa chambre.
Au lieu des filles qui me voient entrer dans le pavillon des garçons, qu'est-ce que je suis? Je suis une fille qui monte. Et suppose qu'on me voit chez toi, 3 ou 4 fois par semaine. Les types de ton étage vont dire cette fille, c'est la fille à Jomont. Mais ils le diront, même si nos relations sont innocentes, et alors je suis la fille à Jomont. Je suis ta propriété. Ça serait désagréable, Lisa. Oui, ça me serait désagréable. Si c'est pas vrai. Je fous ici. Je
femme de la reine. Viens dans ma chambre après le déjeuner. Oui, allez. Et hop, je peux la marier que je te saute. Je tourne à l'œil. Non, c'est trop facile. La vie n'est pas comme ça. La vie est géniale. Trop con. Les garçons, je les ai comme je veux. Dans mon palais 9, 10, 11, 12. De toute façon, je perds la femme de vie. Je me répète sans arrêt les mêmes trucs. Je ressasse toute la journée. Tu n'as pas peur que je te viole, non? Permettez. Bien sûr, je te permets. Je te permets aussi de me dire tu. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Abdelaziz. Tu es algérien? Oui. J'avais vu otager. Et dans quoi? Dans quoi? Bah oui, qu'est-ce que tu fais comme étude? Non, je suis pas étudiant, je suis ouvrier. Tu es ouvrier? Vrai? Tu es ouvrier? Ah oh, je me disais que c'était pas sur des copains d'âge. Je veux dire qu'ils sont tout de suite. Grossis avec les filles. Toi, tu. Tu parles très bien le français, hein? Absolument sans accent. Tu parlais déjà pas mal. Permettez. Bien. Je suis arrivé en France, je parlais déjà pas mal, mais je me suis particulièrement à la cour du soir à Clichy avec une fille. Comment elle s'appelait? Elle s'appelait Anne-Marie. Elle me faisait faire des dictées, lire des livres. Et puis à l'époque, je sortais beaucoup avec elle. Vous étiez amant? Ou non? Non. Non, elle ne m'aimait pas. C'était surtout d'affection. C'était intellectuel. Tu es sorti longtemps avec elle? Ouais, plus d'un an. Et maintenant, tu l'as vu? Non. Elle s'est mariée à l'hôpital.
été un document de joli meuble. C'est le paradis, c'est le plus beau. Faut pas exagérer. C'est tout petit.
donne sur le bidon. C'est le mien. De Mao Tse-Tung. Il ne faut pas oublier, camarades, que les masses laborieuses sont spontanément révolutionnaires. Comment peux-tu te dire marxiste-léniniste et profiter de cette connerie sur la spontanéité du sentiment de révolutionnaire du mal? Pierre, s'il vous plaît, nous avons... Oh, je n'ai pas entouré par Céline de Vendée et faire des momies dans un musée, non? Pour reprendre le cours... Oh, historien, hein? La pensée de Mao Tse-Tung est l'expression la plus épée et la plus haute du marxisme-léninisme de notre temps. Qu'est-ce qu'il y a encore? Nous avons eu droit, camarades, aux observations habituelles sur la nécessité pour les étudiants de tourner le dos au milieu étudiant et de se mettre au service du peuple, voire de travailler en usine. Mais enfin, camarades, on va quand même pas se transformer par masochisme en cette opprimée. Un étudiant qui travaille en usine, il n'assume pas vraiment sa condition ouvrière. Vous n'avez jamais qu'un mélange de prêtres ouvriers et de petits bourgeois, d'agents secrets. Le président de la Bien. Pour en revenir
à l'objet de notre débat. Il sera temps. Je ne comprends pas. Mais si, je veux simplement verrouiller la porte. Lève-toi. Pourquoi? Pour enlever ta robe. Appreciate all the rules for you. Il y a plus de 4 siècles que des pinailleurs étudient cette pièce et toi, il faudrait encore que tu trouves du nouveau. Thank you.
Sur le lit, ce sera mieux. T'as pas l'air très bon pour me voir. Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Non, je sais pas. Dernier cours sur Rousseau, je précise, je ne suis pas amoureux de toi, et je ne suis pas jaloux, mais personne n'aime jouer les vieilles chaussettes. Je voudrais que tu deviennes mon ami. Je ne te connais pas beaucoup, je te trouve sympa. Tu as l'air fin, sensible,
intelligente. Je t'arrête. Je ne suis pas différent des autres garçons. Moi aussi, une fille, j'ai envie de coucher avec elle. Eh bien, pourquoi pas? Voyons. Tu t'offres pas comme ça, tu gâches tout. C'est que tu es vieux, jeune. Écoute, hein, tu n'as quand même pas imaginé que tu as la pointe de la nouvelle vague simplement parce que tu viens de faire la pute avec Jomel. C'est le cas de beaucoup de gens. Oui, mais chez moi, c'est une maladie. Tiens, il y a un rêve que je fais souvent, je vais te dire. J'absorbe un tube de somnifère. Et quand je me réveille, la Jacqueline que je déteste est morte. Je me lève, je la quitte. Je la laisse là comme une vieille dépouille. Et moi, je suis une fille bien. Je me sens bien et légère. Je sens que je vais aimer un garçon. Mais l'aimer pour de vrai. Et puis, je me réveille. Quand je me réveille, c'est pire qu'avant. Donne-moi ta main. Non. Non? Pourquoi non? J'ai horreur qu'on me touche. Je suppose que Jomel a bien dû te toucher un petit peu cet après-midi, non? C'est pas pareil. Comment ça, c'est pas pareil? C'est comme un docteur. Alors, tu me demandes mon amitié, mais me toucher, oh! C'est pas ça. Je ne peux pas supporter qu'on me donne un ordre. Je t'ai pas donné d'ordre. Tu as dit donne-moi ta main. C'est dégueulasse. J'ai pas vu ça comme ça. Tu fais de moi une sorte de fasciste. Parce que c'est comme ça que tu vas me donner ta main tout de suite ou je te file une paire de claques et je te fous la porte de ma fiole. On est copains. On est copains.
Rome, les mecs suivent. On ne sera pas 600 comme à l'Alger, mais on ne sera pas 600 plus. On aura beaucoup de résistants, du côté des gros chinois, du côté des gros trosses de l'IA. Chacun met son disque. Aucun effort pour avancer. Bourrelier, brave type, rigide, c'est l'IA. Complètement citoyen. Athée, l'IA. Matérialiste. Mais non. Pas plus que Bourrelier. Que ce soit Marx, Trotsky, Mao, c'est toujours le bon Dieu, c'est toujours la vie. La vérité est là, sur le fait. Nouille, agenouillez-vous. Moi, je peux dire que la révolution, c'est triste à dire, mais l'homme n'a toujours pas dépassé sa face religieuse. Qu'on te tyrannise au nom d'un peuple, qu'on te tyrannise au nom d'un Dieu, c'est toujours une tyrannie. Déjà, l'homme nouveau, faut-il ouvrir les yeux. C'est le combattant qui est, homme ou femme. Et oui, c'est vrai d'être dans l'attention de la guerre et dans la paix. C'est un peu quand on est en effort et désintéressement, tu te dégénères un jour en état répressif. Il y a des précédents. Non, non, non. Le Vietnam ne deviendra pas ça. Je ne veux pas le faire. C'est ça, David. C'est pas une fois, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce ça au moins comme titre, c'est pas prétentieux. L'essentiel. En trois mains, c'est facile. On met maintenant science, on met maintenant histoire, on met maintenant géographie. Oh, je ne dis plus rien, j'ai compris, je n'ai pas été ouvert. Oh, alors. Abdelaziz, tu veux préparer ton certificat d'études pour cet été, c'est ça? Ouais. Bon, bah, t'as 2 mois et demi pour te préparer. Mathématiques et la science, ça va? Bon. Reste le français, l'histoire, la géo. Je veux bien te charger du français. Parfait. Je m'en sentais pas du tout pour les fautes d'usage. Je le tapiriserai en histoire et en géo. Faudrait faire attention à ce que ce soit pas trop fort monté. C'est très bon, je pourrais le faire. Qui toi? Je vais lui faire ça, style libéralisme centre-gauche, république et lumière, la démocratie et les libertés. Je croyais aussi le déclarant, et que j'étais une conne de vouloir prendre la licence. Attends, qu'est-ce que tu racontes là? C'est pas avec un certificat d'études qu'on trahit sa classe et qu'on devient un chien de la bourgeoisie, mais réfléchis, voyons. Abdelaziz, s'il veut vivre, il n'a pas le choix. Il faut qu'il se sorte de son merdier. Bon, je me cours à la tour. Un jour, Anne-Marie me prête un livre. Je le lis et je lui rends. Presque je lui jette au visage. L'histoire d'un pied noir condamné à mort pour avoir tué un raton. C'est des blagues dans le livre Anne-Marie. La Camille ne raconte que des salades. Alors Anne-Marie m'explique que je n'ai rien compris. Que l'important n'est pas l'art. L'important, c'est la philosophie d'action. L'absurde. J'adorais l'écouter. Mais quand elle avait répondu, je me souvenais plus de la question que je lui avais posée. Un peu comme elle. Thank you.
tu es gentil. Bon, on va faire une dictée, d'accord? Mon ami, comme le destin se met à être bon pour toi, il n'y a plus moyen d'arrêter. Aïe, 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 la vie, tout ça va te mener, tout ça. Délicieusement féminine. Par ailleurs, le chat, je peux te dire qu'il n'a finalement plus besoin de toi. Elle envoie ses garçons dans un ranch aux États-Unis. T'as de la chance que je t'ai vu sortir. Ah bon? Bah, tu ne pourras me dire merci, je viens de me taper un 100 mètres dans la boue pour toi. Ouais, merci, merci. D'accord. Bon, je te laisse, un salut. Je vais observer la fuite de ma Bastille. Tu comprends? Non, ça ne t'intéresse pas, je suppose. Hé, dis donc, toi, un étudiant, j'ai dit, pourrais être une modo, une féminine de toi. Je vais quand même pas pleurer. Après tout, j'ai rien de plus, dites-moi que ce matin. Si, je vous ai perdu. C'était doux, c'est tendre, et mûr comme l'époque du grenier. Avec une couche à la douceur de la mienne. Ne me dites plus de moi les yeux. J'ai repoussé les avances de Jacqueline. Je vous arrête. Arrêtez! Plus près! C'est la croûte. Rien manger depuis midi et 2,50 francs en poche. Mais quel gars, cette bonne femme! Elle m'invite à dîner et me décommande au dernier moment comme un domestique. Prendre note, l'homme est un animal dont le premier besoin est la bouffe. Ah, je vieillis. La croûte, la grecque. Si la vie a 20 ans, c'est ça. C'est des groupuscules qui ont raison. Je suis qu'un triste individualiste, raisonnable, prudent, égoïste. Soyons juste. J'ai été bien avec Jacqueline. À la fois ferme, attentif. J'en bave, mais je progresse. Et puis quoi? Je vais pas me mettre à refaire le monde alors que je suis à moitié fait moi-même. Bon, pile, je m'appelle Merguez au bifroid arabe. Passe, je vais me coucher. Eh ben, qu'est-ce que tu fous là? Regarde, con. Eh ben, tu retires petit con, je te pète la gueule. Oh, ça je te tire. Tu vois, je suis lâche, brique et feignant. Bref. Un parfait spécimen d'Homo sapiens. Eh hey mec, je répète, qu'est-ce que tu fous allongé là? Je témoigne. Tu témoignes? Tu témoignes de quoi? Je témoigne que l'homme n'est pas fait pour la station verticale. Au niveau de tes pieds. Ce sera une chose. Les pieds de l'homme valent bien sa tête, laquelle vaut bien son cul. Et inversement. Alors, c'est le bordel. Certains veulent envahir la coupe du 8e, d'autres pas. Peu de magnifiques a déclaré avec brio que ce serait un pacte et que s'il fit interdire, il n'y aurait plus aucune. Mais ouais, un pacte, un piège à con. Non seulement ils vont occuper la terre administrative, mais ils vont y résister. Et lutter à la fois des forces répressives. Tant pis si la police nous arrête et nous torture. Et même tant mieux. Camarades, comme des guerriers, vous le faites. Luttons jusqu'à la victoire.
débrouillette. Si les fillettes étaient engueulées comme nous en 65, il y a longtemps que les affaires les auraient liquidées. Cassio, si ce merdier continue, je le tire. Il y en a... C'est super nouvelle, parce que probablement... Envie valant. Envie valant.
pas que je vais te séduire. Mais si tu veux me faire plaisir, éteins la lumière et viens t'étendre à mes côtés. Ça ne te plaît pas? Mais si. Tu sais, je voudrais pas que tu t'inquiètes. Je vais pas te cramponner, tu vas pouvoir pousser tout ton souffle. À tous les soldats dans cet envie de culture bourgeoise, je dis camarades avec moi, comme plusieurs de nos camarades du comité international, qui étaient arrêtés d'y aller. On a fait les colis, nous occuperons la tour jusqu'à leur libération. Ouais, solidarité. J'ai été arrêté par la police le 20 mars. Je suis resté enfermé 2 jours et 2 nuits. Je viens d'être relâché ce soir en Angleterre. Contrairement à mes autres camarades, ce n'est pas chez moi, mais dans la rue, non loin de l'American Express, j'ai été abordé par deux flics. Le papier, et aussitôt le car. Arrivé au bloc, on me fouille et on trouve un vaporisateur rempli de peinture rouge. Cette pièce à conviction fait chuter. Inutile de nier, nous savons tout, tu es membre de la jeunesse communiste révolutionnaire. Tu es membre du comité Vietnam National. Je ne dis pas. Tu as participé au commando qui a démoli la vitrine de l'American Express. Brûlez le drapeau. Il fait le réveil de ta sœur. Est-ce que tu peux dire à quoi tu destinais ce vaporisateur? C'est bien simple. Pour te dire ce que tu faisais en esprit, je me promenais. Écoute, mon petit gars, ne nous prends pas pour des idiots. Je ne dis rien. Nous avons un témoin qui t'a vu écrire Patra sur un passage de l'American Express. Bah, alors, confrontez-moi avec votre témoin. Je pensais bien que vous n'allez pas voulu leur indiquer. J'engage tous les mecs qui sont présents. Et les nanas. Tous les mecs et les nanas qui sont présents. Et ça s'arrêtera pas là. On en fera un trait. On répondra à des milliers d'exemplaires. Et celui-là, il sera lu. Il sera lu parce qu'il émanera de nous. Parce qu'il émanera de mecs qui ont eu le culot de désacraliser cette tour. Tu comprends que là, tu m'appelles Monica. Tu comprends, Monica. Le vote de cette motion, c'est une idée tactique géniale. Si le doyen accepte, ça veut dire que nous établissons le pouvoir étudiant. S'il refuse, on va lui foutre une grève. Je répète que la solidarité marchera à tout le monde. On va lui foutre par terre le système de répression du général. Je prends conscience de plein de choses ce soir. Il y a des interventions qui me font vachement avancer. C'était chouette cette salle pour discuter. C'est beau les lumières de Paris qui brillent, non? Simon? Simon? Mais voyons, camarades, l'action n'a pas de sens que si vous vous en parliez réellement du pouvoir, c'est
j'approuve à 100% l'action du comité Vietnam National contre l'American Express. Et j'approuve à 100% l'action de ce soir, même si le fait d'y participer doit me coûter la bourse. Ma décision est prise après pas que je quitte mon père. Je cherche de l'embauche quelque part. Comme ouvrier. Et moi? Toi? Mais bien sûr, tu restes à Nanterre et tu finis ta licence avec ton frémin court comme une bonne petite fille. Et moi, je peux t'avenir en usine avec toi à travailler en France. Si tu peux, Patate. Si tu en as la force. À l'avenir, je te prierai de ne pas me faire le coup des larmes et du grand amour. Tu oublies un peu trop que l'amour dans une société de classe ne peut être qu'un amour de classe. Souviens-toi, on est copains. Plus le sexe, et c'est tout. On est copains, plus le sexe, et c'est tout.
Thank you.